Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien chez Resenko qui vous présente aujourd'hui... Voilà, c'est ça que j'essayais de vous montrer l'autre fois. Qui vous présente aujourd'hui l'année 2 de Harry Potter. Lego Adventure, je sais pas pourquoi il y a Adventure qui s'est rajouté. De Lego Harry Potter sur PlayStation Portable 1. Et on fera très probablement l'épisode DS après, comme ce que je l'avais déjà dit. Donc c'est bon. Oui, donc je rappelle juste, pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit il y a 30 secondes, j'avais dit que quand on cassait trop d'objets, les pièces finissaient par disparaître. Pouf, comme vous avez pu le voir, il y a des pièces qui ont disparu. Parce que oui, je me suis renseigné, il y a une petite quantité de pièces maximum en fait. Et on peut pas en avoir plus d'un certain nombre créés, parce que si elles sont posées par terre, ça compte pas, c'est pas dans la même carte mémoire. Donc on peut pas créer plus d'un certain nombre de pièces dans le jeu en fait. Et donc du coup c'est pour ça qu'en général c'est aux alentours de 2 ou 3 3 ou 4 que les pièces commencent à disparaître. Et donc j'avais dit que je ferais un petit tour du propriétaire, je m'excuse, je suis un peu enrhumé, mais ça devrait pas tarder à passer. Je casse tout pour récupérer les pièces, pourquoi? Parce que je sais pas exactement la quantité d'argent qu'il me faut. Le magasin où on peut acheter les personnages qu'on a débloqués dans le jeu, les séquences histoires, donc c'est les cinématiques, ça sert à rien. Ça coûte 10 pièces. Je vais tout acheter d'un coup, comme ça se sera fait au moins. Waouh! L'écran LCD, si vous l'avez vu passer, c'est l'écran de la PlayStation Portable en fait. C'est tout ça. Et voilà. Et ensuite, on a les briques rouges, c'est ça que j'étais venu acheter. Et vous voyez, c'est ça que je vous parlais. Ça, ça et ça, c'est les trois sorts qu'on peut. On peut acheter qui font bouger les personnages. Du coup, il s'appelle comment? Tanratalagra. Ok, les gras. J'ai rien d'autre? Non, j'ai rien d'autre. Et donc maintenant, quand je fais sauvegarde en cours, oui. Les personnages, je les achèterai plus tard. Et donc voilà, oui, j'ai des sorts. Des sorts qui font quoi? Bah, qui font que quand tu lances ce sort sur quelqu'un, il se passe quelque chose. Ça lui grossit sa tête, ça le soulève ou ça le fait danser. Et nous sommes à 20% quasiment, 20% du jeu. Et nous allons donc, logiquement, entamer... Je vais faire chier la porte. Yéhi ! L'année numéro 2, avec le terrier. C'est parti ! Arrête le tic-tic-tic, c'est chiant. Histoire. Je sais pas encore si on entend le tic-tic-tic, mais le tic-tic-tic, c'est mon téléphone qui fait le chronomètre. Ouf ! Ils ont tout cassé. Et il y a Dursley qui continue à manger. Ah, Dursley, tu continues à bouffer. Le terrier. Ou la maison de Ron et de ses frères. Et sa sœur. Garder la chouette pendant la cinématique. Bonjour. Il semblerait que mes artefacts moldus soient placés au mauvais endroit. Pourriez-vous trouver les objets moldus qui se trouvent dans la maison et les remettre à leur place habituelle, s'il vous plaît? Minimum, quand tu me demandes une tâche, c'est de pas me vouvoyer. Parce que c'est chiant, on est dans un jeu Lego, pourquoi est-ce que vous vouvoyez la personne? Bon, là, l'avantage, la quête est simple. Voilà, j'arrive plus à respirer. Récupérer le micro-ondes. C'est un micro-ondes, ça, je crois. C'est un micro-ondes. La télévision et d'autres trucs, genre une antenne parabolique. Et les remettre à leur place dans la maison. Pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais du coup, ça pose la question de pourquoi est-ce que tu le fais pas toi-même, du coup. Ginny Weasley. Si tu vois mes frères, dis-leur d'arrêter de faire des imbéciles. Les imbéciles. Enfin bref. Oui, oui. Ça oui, parce que je rappelle, on ne peut pas sauter. Hein, parce que... parce que, en fait. Et casser toutes les chaises donne des chapeaux, c'est bien connu. Casser les chaises de chez vous, c'est un bon exemple de choses à faire. Et on récupère les pièces et on monte à l'étage. Je crois que j'ai marché sur la cheminée. Je crois. Je suis pas sûr. Hihi, voilà, ça c'est les sorts. J'adore quand t'es gamin, t'adores faire ça. Et toi, tu vas danser.
c'était nul à chier, je sais pas pourquoi, mais j'adorais ça. Et j'ai le droit d'adorer ça quand tu es gamin. Mais ça pose la question de pourquoi est-ce que t'apprends des sorts à un gamin, sachant que ces sorts peuvent faire chier la terre entière. Un canard? Non, c'est un nain de jardin, c'est pas la même chose. Comment ça j'ai trouvé trois artefacts? Ah bah oui, j'ai trouvé trois artefacts, parce qu'il y avait l'antenne aussi. Et là maintenant, c'est le moment de sortir pour aller chercher le canard en plastique. Le fameux canard en plastique. Dis-moi, Harry, à quoi ça sert, les canards en plastique? Bah, canarder en plastique, c'est pas compliqué. Enfin bref, comme dans tous les jeux Lego, et comme dans l'épisode 1, faut tout casser. En plus, ils font des sons dégueulasses. Oh, j'ai ouvert un coffre invisible. Ah, je peux pas l'ouvrir. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Bah parce que j'ai pas le sort qui ouvre les objets. C'est débile. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, je sais pas, ça doit être des pommes, mais des pommes un peu bizarres. Enfin bref, oui, on a trouvé... une ventouse ou un clou, je sais pas trop. Là, il y a un truc à faire, je crois. Faut revenir après, une fois que t'as tous les objets. Et il faut venir faire un petit zouzou, parce que c'est marrant. Ou alors, je peux le faire maintenant? Tu n'as pas quelque chose à faire? Bah, si! Mais donne-moi ma tâche tout de suite, ça sera plus simple, ça évitera de m'embêter. La plateforme, elle sert à monter sur le toit, hein. Pas d'inquiétude, rien de particulier à faire. Oh, deuxième coffre que je vais sûrement pas pouvoir ouvrir parce que j'ai pas le bon sortilège. Il y a des chapeaux, encore un chapeau. Et donc là, si j'arrive à avoir un véritable sorcier, c'est-à-dire que j'ai trois chapeaux directs. Ah, celui-là, on peut l'ouvrir. Oh, j'ai la brique rouge. I have the red... Bah, j'ai la red. je sais pas trop comment ça s'appelle. Parce que ça porte des noms différents. Dans Star Wars, ça porte le nom de pierre de puissance, donc bon... Je sais pas, moi j'appelle ça la brique rouge. Donc bah, on continuera à appeler ça la brique rouge. Oui, le moment passionnant de tu ramasses les pièces et tu dis ça trop de fois par épisode, alors arrête! Je dis ça, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Hein, j'ai l'impression de le dire 15 fois par épisode. Plafond monté tout en haut, c'est pas compliqué à comprendre. Pourquoi? Bah pour aller remettre l'antenne parabolique. Ça sert à quoi ça? Ah merde. Oui. Hop là. On ramasse les pièces, on pose l'antenne. Ah putain. Oh merde, Harry est mort. Ah. Là, je fais n'importe quoi. Enfin bref, non, c'est par là. Voilà. Oui. Pourquoi tu fonctionnais pas? Enfin bref, déjà 7 minutes, putain. Putain, ils sont longs les niveaux, ils sont longs. Qu'est-ce que je vais faire ici? Récupérer des pièces. Normalement, on va essayer, je dis bien essayer, de garder le ratio de 2 niveaux par épisode. C'est plus simple, c'est plus sympa, donc bon, je vois pas pourquoi on changerait. Oui, il faut encore tomber pour aller poser là le dernier objet magique, si je dis pas de bêtises. Parce que bon, ça, il y a ça, il y a le canard en plastique dans la salle de bain. Oui, donc c'est ça, j'ai tout posé, enfin sauf le canard en plastique du coup, dans ces bandes de cons. C'est drôle, je sais pas pourquoi, c'est drôle, alors vous rigolez, parce que c'est drôle. Coucou papa, le papa. C'est bon, si tu pouvais aller voir Molly, je crois qu'elle a une autre corvée pour toi. Corvée! Vous cherchez même pas à cacher que le jeu, il se fout de nous, en fait. Oui!
Merci d'avoir aidé Arthur. Merci bien. Maintenant, j'ai encore une autre chose à te faire faire. Eh oh, c'est pas à Ron que t'es censé faire ça, je veux dire. Dans le film, tu engueules Ron parce qu'il fait des conneries et tu félicites Harry parce qu'il a fait des conneries, donc bon. Oui, bah l'écran est... Oui, c'est bon, merci, je sais faire. Oh, c'est tellement plus simple sur ce... avec cette manette. Comment on le lance? Comme ça. Ok, d'accord, il se lance tout seul. Ils ont des fesses. Ils ont de ces fesses. Et il y en a combien des gnomes à dégager? D'accord, j'ai compris. Il faut monter la charge max, puis lâcher le truc. Ok, d'accord. Bah, en fait, c'est plutôt simple. Et voilà le tout dernier. Et voilà, défi terminé. Le dégnomeur, j'ai vu. C'est drôle. Merci d'avoir dégnommé le jardin. T'as fait un travail. Allez, fais tes affaires d'école, on se retrouve devant la cheminée. Oui! Et j'aurai pas le... J'ai plus de pièces, non! C'est dommage, je vais pas avoir le véritable sorcier. Ah bah. Voilà, presque ça. Wow. Oui, fin du niveau 1 du monde 2. Vous croyez que je vais réussir à compter? Que je vais réussir à ne pas me tromper dans chacun des épisodes? C'est une vraie question. Enfin bref, nous partons tout de suite pour le niveau 2. Le niveau du chemin de travers. Nous sommes au chemin de travers. Ah! Où sommes-nous? Barjo et Burke. On fait comment pour sortir d'ici? Il y a une porte là-bas, mais elle faudra la déverrouiller. Meilleure question, comment t'es rentré si la porte est verrouillée? Peut-être que les connes vont nous aider. Hagrid, tu es magicien, tu as réussi à rentrer dans une salle qui était fermée. Arrête de te fiche nounou, je sais très bien que tu sais comment sortir. Bon, allez, c'est pas grave, on va faire t'inquiète à la noix. Et je sais qu'après, tu vas arrêter de te moquer de nous. Comment je passe là d'ici? Je sais plus. Faut tout casser, parce que là, en plus, je crois qu'il y a des trucs cachés dedans, les... Oui, je sais même plus ce que je dis. Je sais même plus ce que je dis, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va pouvoir monter. Voilà, ça c'est fait. Et ça active. On loupiote. On a loupiote. Et ensuite, on continue à métamorphoser. C'est l'heure des puzzles. Arrêtez avec les échelles. Je connais le puzzle par cœur. Et vu que c'est toujours les mêmes pièces dans toujours le même ordre, je sais même exactement les mouvements qu'il faut faire. Voilà. Pas compliqué, non, mais à la fin, on va bien finir par s'en rendre compte que vous fichez de nous. Oui. Oh, la clé. Là, le chapeau, il faut faire le sort qui fait baisser les plateformes, pas celui qui fait monter. Bande de nouilles. C'est pas comme ça que ça marche. Et hop, la lampe bleue. Oui, j'ai trouvé 2 artefacts sur 3. C'est la quête aux artefacts. C'est la fameuse quête où tu passes des heures à artefacter. Oh. Et que dire? Que dire? Je me rappelais pas que le magasin était comme ça, c'est tout. En même temps, Bracky et Burke, je crois que c'est comme ça qu'ils ont dit. Enfin bref, je sais pas trop. Et on s'en fiche. Oh! Une colonne! Comme c'était pas tard. Ah non, va falloir faire une potion!
Il va falloir faire une potion, non! J'aime pas les potions. J'ai même pas compris comment on faisait. Il est où le troisième argument? Argument, ingrédient. Attends, j'ai récupéré ce qu'il fallait, c'est bon? C'est bizarre, tiens. Pourquoi il me dit d'aller là-bas? Et je l'ai pas? Ah si, je l'ai! Mais alors c'est quoi le truc vert que j'ai récupéré juste avant? Ok. C'est étrange. C'est étrange, je n'ai pas tout compris à ce qui vient de se passer. Oui! Donc si, c'est ça, va falloir faire une potion. Va falloir faire une potion. Et juste, c'est pas maintenant qu'il faut la faire. Je ne vous dirai rien du tout. Bah alors pourquoi... Ah d'accord, c'est parce qu'il faut faire une potion. C'est pas lui qui nous donne le moyen de tout faire péter, je crois. Je crois. Oui. C'est lui qui nous donne... Je crois que c'est lui qui nous donne le moyen de tout faire péter. Bah oui, de toute façon, c'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille. Je sais même pas pourquoi je continue à avancer. C'est par là qu'il faut que j'aille, donc pourquoi est-ce que... Enfin non, pas que j'aille, c'est qu'il faut que... Il y a un truc à faire de l'autre côté. Et ils nous ont dit, c'est la potion qui permet de faire dire la vérité. Pour faire pousser une plante pour récupérer un chapeau. D'accord, c'était pour ça. Donc c'était pas ce qu'il y a de plus utile. Ouais. Il est où le dernier ingrédient? Je sais plus. Où est-il? Je connais plus le jeu par cœur, ça m'énerve. Avant, je le connaissais par cœur. Et où est le troisième ingrédient? Ah, là, le voilà. Le voilà! C'était une pomme de terre! C'était une potion pomme de terre! Ah, il manque un truc. Merde, il manque un truc. Oh, zut. Prends de bic. Il nous manque une plante. Où est cette plante? Je ne sais pas, Jackson. Je ne sais pas. Bah, du coup, on va avancer. Hein. J'espère que ça va nous donner la solution. Bing! Voilà. Là, un fantôme, il nous faut un fantôme. Non, je veux un fantôme. Pourquoi je fais des statues? Expliquez-moi pourquoi est-ce que je fais des statues. Ah bah là voilà. C'est bon, j'ai l'herbe, je vais pouvoir aller faire la potion qui fait grossir la plante. Voilà, là j'ai tous les ingrédients. On commence par la pomme de terre. Ok, je crois que j'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu de la chance, oui! X. Carré. Oh, bah j'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu de la chance là en ce moment. Ça, c'est chiant ça. Oh, c'est bon. J'allais me dire, je vais réussir, la potion sans faire aucune erreur, ça aurait été impressionnant. Oui, une pièce bleue, et je crois que c'est le truc qui nous permet de faire grossir la plante. Oui, du coup, là, c'est dommage. Hop là, on a le petit chapeau. Un chapeau sur cinq. Ouais, vive les allers-retours qui sont chiants et embêtants. Ouais. Lui, il me dit toujours rien du tout. Oui. Ah, je peux pas tomber. Là, je peux tomber. Ok. Oh, je me souvenais plus de ce puzzle.
Ah, comme quoi. C'est quoi? J'ai même pas vu ce que c'était. C'était une pancarte. C'était une pancarte, c'est ça. Bon, bah ok. Rien à dire. Oh. Oui, il faut que... Vous semblez coincé. J'ai quelque chose qui pourrait vous aider, mais cela va vous coûter. Trouver deux scarabées, il est à vous. Ah bah, soit ça coûte très très cher, soit tu me donnes des scarabées. Ah bah, c'est rentable. Ton truc, il a pas l'air de valoir très très cher. J'aime bien la musique. Je trouve que c'est quand même original d'avoir eu cette idée-là de foutre des sorts comme ça. C'est pas utile, c'est pas important, mais... Je vous ai vu, bande de cons. Oui, et de 1. Ça ressemble plus à une araignée qu'à un scarabée, mais c'est pas grave. Ah, bon bon. Bah, t'as bougé, le con. Voilà. Est-ce que je peux lancer un sort et parler à quelqu'un? Merci, prenez cette fiole de liquide explosif. Ça devrait marcher. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Mais arrête de changer! Mais il fait ce qu'il veut, là, le jeu. Il est complètement bugué. Tâche terminée, ouais. Arrête! Mais là, le jeu, il a décidé qu'il faisait ce qu'il veut. Il répond plus à mes boutons. C'est un méchant, c'est un vilain, c'est un pas beau. C'est un vilain pas beau. Ah oui, il faut monter, là, c'est vrai. Oh, quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça oui, c'est un clown rebondissant. C'est un clown, ah oui. Oui. Ah, ah, que fais-tu, Harry? D'accord, Harry? Tu déconnes, là, mon ami. D'accord, tu ne bouges plus. Tu as décidé de ne plus bouger. Non. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Et voilà, nous sommes sortis du chemin de traverse et cet épisode a encore duré trop longtemps. Oh, bonjour Jackson. Est-ce que tu serais un gentil? Ça serait très étonnant, dis donc. C'est extrêmement drôle, ce livre est marron. Oh mon dieu, il a donné un livre gris avec une tête de vieux dessus. En plus, elle l'a remarqué. Elle l'a remarqué, j'ai vu, elle l'a vu. Poum, poum. Pourquoi il fait de la lumière? Pourquoi est-ce que Ron fait de la lumière? Ah, c'était les clés de voiture. Ah, mes amis, on a fini l'épisode 2 en retard, mais on l'a fini. Du coup, on va se dire quoi? Bah, on va se dire au revoir. Vous, mes chers employés, qui un jour... Ta gueule, le téléphone. Vous qui un jour ferez la fierté de SNCO. Coupez!